Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te montre deux galères qui nous sont arrivées en une semaine. Le baptême de notre van sur un ferry et notre passage par la route des vins. Et pour finir, comme tu peux le voir ici, on est sous-gonflé. Donc on va en profiter pour te montrer comment on fait de la pression des pneus sans forcément passer par un garage. Avant de vous envoyer les images, on voulait vous dire que sur la totalité des personnes qui regardent nos vidéos, 80% des gens ne sont pas abonnés. Et ça, c'est pas bien. Donc si tu aimes nos vidéos, abonne-toi et surtout, laisse-nous un commentaire. C'est pour nous le seul moyen de savoir que tu nous suis et ça, ça fait plaisir. Allez, on commence tout de suite par s'embourber. T'es sûr qu'on peut faire demi-tour? Au pire, je ferai une magnifique marche arrière. Non. Bon, eh ben... Après un gros quart d'heure de stress, une petite montée d'adrénaline, on s'est enlisé dans ce chemin. Je vais vous montrer le truc. Le spot est magnifique, mais le problème, c'est que c'est de la putain de glaise partout. Ça glisse incroyable. Je vais vous montrer les marques qu'on a fait jusqu'où on est descendu pour remonter là. Ah, pour remonter, j'ai tapé dans le grillage là, parce que j'ai réussi à reprendre de l'élan. Là, on est allé jusqu'en bas, je sais pas si vous voyez, mais ça descend bien là. Le problème... c'est que c'est de la bouillasse partout. Voilà, on était enlisé ici. Là. Je sais pas si on voit bien les marques. Ici. Voilà, on était enlisé là. Et ici, ça monte un peu. Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai réussi à refoutre les deux roues motrices sur l'herbe là, sur le côté. Et j'ai réussi à remonter. Heureusement. Sinon, on était bon pour appeler un ami. Et on a réussi à remonter la petite côte là, jusque là-bas. J'ai réussi à prendre de l'élan. Et bon, bah, j'ai raflé un peu par chaque arrière, mais bon, rien de méchant, c'est juste une égratignure. Voilà. Par contre, c'est magnifique là-bas, on voit les carrelés. Je sais pas si vous voyez. C'est sublime. Steven, il a pris un peu cher. Même là, je glisse. Ici, il va falloir remettre de la peinture. Voilà l'état du... La gadoue. Il y en a jusque sur le toit là-haut. J'étais pas beau à voir. Allez, bon bah celui-là... On le déconseille quand il pleut. Hein. Oui, très fortement. Là, on vient de se sortir d'un truc, mais je pense que de toute façon, vous avez vu les images de Xav. C'est... ouais, là, c'était chaud patate. On vient de piquer une suée. On est dégueulasse. Attendez, regardez, je vous filme. Hein. Voilà. Voilà, c'était chaud. À plus tard. Comme tu l'as vu, on s'en est sorti. On peut dire merci aux pneus toute saison et surtout au 4Motion. Sans ça, on serait certainement resté sur place et on aurait eu beaucoup plus de dégâts qu'une simple égratignure comme on a eu à l'arrière. Alors oui, tu n'as pas vu les images du van dans la boue, mais bizarrement, à ce moment-là, tu n'as pas forcément envie de filmer, tu as juste envie de te sortir de là. Après cette sortie de cette galère, on a pris le ferry de Royan au Verdon-sur-Mer. Allez. On va où là? Direction le péage. Allez, go! On embarque! Et on va où? En fait, on prend le ferry là, à Royan, direction le Verdon, de l'autre côté. De l'estuaire? De côté de l'estuaire, en fait. Voilà. Oh, j'ai un vieux contre-jour. Je vois pile. J'ai un vieux contre-jour de malade. Non, non. 2 c'est... Hein? Ah, c'est pas 18? Elle est bien résignée dans la papille. 18, c'est juste le véhicule. D'accord. Il y a un chemin à prendre après? La 8. Merci. Qu'on aille sur la 8. Et après? Okay. Voilà. Bon bah,
reprend tout à l'heure. Après cette première traversée pour Sacha, nous nous sommes rendus sur la route des vins où on s'est arrêté pour rencontrer un abonné qui est Maître Chai. Il nous a proposé une petite dégustation, nous a fait visiter ses ateliers et nous a parlé de son métier. Merci à toi pour le temps que tu nous as accordé et pour ta sympathie. Allez, c'est parti, direction le spot. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, lui, Sacha, il éclaire de ouf. Petite dégustation. Allez, petite pause pratique maintenant, on va te montrer comment on fait la pression des pneus, sans passer par un garage. Pour la pression des pneus, on utilise le compresseur T-Max. Il se branche en 12 volts, il fait 9 kg et il a un débit de 160 litres par minute. Dans le carton, tu trouveras un sac de transport, le compresseur en lui-même. Voilà, tac. Le manomètre, si j'avais enlevé le manomètre. Les deux cosses de branchement et le tuyau qui va te permettre de faire les 4 pneus. Tac. À côté du kit, on a rajouté ces petites fiches à prise rapide. Ça évite de visser et dévisser à chaque fois en fait. Donc comme ça, on peut se raccrocher directement sur la valve sans avoir à visser et dévisser. On te mettra tous les liens en description. Pour le branchement, c'est très simple. Tu te branches directement sur la batterie moteur, que le van soit allumé ou pas. Bien sûr, la pression se fait toujours à froid. Dans notre cas, on doit avoir 3,5 bars dans les pneus, selon la préconisation Seiken. Une fois que tu as branché ton compresseur, tu vas venir
connecter ton tuyau, ensuite le manomètre. Tac. Et tu viens brancher ça sur la valve. Donc là, on peut voir qu'on a 3 barres et c'est à partir de ce moment-là que tu peux allumer ton compresseur pour ne pas l'endommager. Donc là, on est à 3,2. 3,4, 3,5. Ça m'a l'air bon. Donc l'idéal, c'est d'être à 2, mais ça peut très bien se faire tout seul. Tu vas chercher ta pression souhaitée. Si des fois tu as trop mis, tu as un bouton en dessous là qui te permet de dégonfler le pneu. Et là, tu peux descendre en pression. Ce système va aussi nous permettre, si des fois on va dans le sable, d'avoir une pression. Donc en fait, on va sous-gonfler le pneu pour ne pas s'ensabler. Et une fois qu'on aura terminé la balade dans le sable, on pourra remettre le pneu en pression. Et tout ça en étant autonome. Et tu fais comme ça pour toutes les roues. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Allez, on continue avec les images. Après 2 semaines sans douche, pas d'inquiétude sur notre hygiène, on se lave tous les jours aux gants. On s'est posé 3-4 jours dans un petit appart et là, paf, on se tape une crue. Coucou tout le monde, comme vous le savez, on s'est posé 2-3 jours. Sauf que regardez ce qu'on voit au réveil, on ne peut pas sortir. C'est inondé de partout. Et attendez, je vais vous montrer à l'autre côté, au bout de l'appartement. On ne peut pas sortir non plus de l'autre côté. En plus de ça, on n'a pas de chaussures de pluie, évidemment. Montre. Voilà, l'autre côté non plus. La cata. Et là, je vous montre d'en haut. Regardez, le parking est sous la flotte. Bon, bah, c'est pire qu'hier. Hein. Il y a encore plus d'eau. Le van, on le voit pas là, il est juste derrière l'arbre là. Ici, il a les pieds dans l'eau. J'espère que ça va pas monter. Je me suis réveillé à 9h du matin, il y avait rien. Et là, il est 10h. Il doit y avoir un bon 20 cm. C'est ouf. Bon, bah, va falloir aller sortir de là-dedans. C'est parti! J'ai chaussé mes plus belles chaussures et je me suis mis en mode short. Allez! Elle est gelée! Sinon, c'est sympa les résidences. On est resté 4 jours ici, là. Ça s'appelle. Les résidences, les rives marines. Ouais, c'est parti. La merde. Voilà, Sacha qui a les pieds dans l'eau. Il y a 5 cm. Et 10 devant. La petite maison en rouge derrière est juste là. Bah, je vais le dépasser, je vais le mettre par là. Je crois. Il y a pas d'eau. Allez, c'est parti. Les clés. D'eau. Les chaussures d'eau. Le sketch. Il faut qu'on fasse le plein d'AD Blue aussi. Et on a 10 440 km. On va se mettre en marche arrière plutôt. Là, ça commence à devenir limite. Je sais pas qui c'est, mais bon, je pense pas que ça rentre. On espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt pour un prochain Instant Van Life. Thank you.
Après, l'avion de chasse, la banane. Putain, ça ne m'arrête jamais en fait. Déconfine, je crois. Ouais, en fait, c'est déconfine. C'est déconfine, tout le temps. Ils se sont dit, tiens, ils vont tourner une vidéo. Ouais, on va bien les faire chier. Eh bien, on va bien leur casser les couilles. Hein. Bien, comment on fait déjà? Je sais pas. A few moments later. Oh, un hélicoptère. Bien au-dessus pour nous casser. Vas-y. Allez, vas-y. Oh. Après cette première traversée pour Sacha, direction la route des vins où on s'est arrêté pour rencontrer un abonné qui est Maître Chez. Allez, c'est quoi cette fois? Hein? Un avion de chasse encore. Pour le branchement, c'est très simple. Tu te branches sur la batterie moteur, le van allumé. Oh putain, pourquoi je dis allumé? Parce que tu parles du pif. Je te crotte. Pour le branchement, c'est très simple. Tu te branches sur la batterie moteur, le van allumé ou pas. Allumé. Putain, c'est pas possible, merde! Des questions, on peut les poser en commentaire. C'est ce que tu as à dire quand même. Voilà, si tu as des questions,